j'espère que vous allez tous très bien. Je suis dans la salle de jeu des enfants. Je vais tout simplement faire du rangement. Je mets ma veste bigomie parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffage en bas comme on n'est pas tout le temps. Ça sert à rien de mettre de chauffage quand on n'est pas dans les pièces, hein, clairement. On va pas chauffer pour rien. Ça fait un petit geste pour la planète. Donc je suis en train de ranger. Aujourd'hui j'aimerais enlever certaines décos de Noël parce que Rémi aimerait bien les garder. En fait normalement les décos de Noël on les garde au moins jusqu'à son anniversaire. Rémi est né le 31 janvier, ça va vite arriver. Mais je sais pas, cette année j'ai pas envie, pourtant j'adore Noël, mais je sais pas, j'en ai marre en fait en ce moment de l'accumulation de plein de trucs à la maison. J'aimerais bien que ça soit un peu plus épuré, un peu plus rangé. Alors ça se fait pas comme ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Je suis pas toute seule donc je vais pas non plus jeter les jouets des enfants et compagnie. Mais quand je vois leur salle de jeu, quand je vois l'étendue de tout ce qu'ils ont, et pourtant à Noël ils ont pas été beaucoup gâtés, ils ont pas eu beaucoup de jouets. Je sais qu'en moyenne j'avais lu une étude qui disait que les enfants à Noël recevaient du Papa Noël 26 jouets. Moi ils ont pas eu 26 jouets du Papa Noël hein. Malgré le fait que nous avons une grande famille, je sais pas, ils ont eu chacun 8 jouets je dirais. C'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Enfin bon, donc du coup là je vais ranger, faire un petit peu le ménage. J'ai changé mon sac d'aspirateur donc c'est bon, ça passe hein. Parce que si vous avez vu le... enfin vous aurez pas vu là, mais j'ai fait mes courses, dans les courses j'ai acheté des sacs pour les aspirateurs. Pour changer de sac en fait pour l'aspirateur, et ça fonctionne. Donc je vais ranger, puis il y a plein de petits bouts qui... Je ne sais pas d'où ça sort. Donc je me dépêche parce qu'après il faut que j'aille sortir Jules avant que ma maman ne rentre chez elle. Et voilà. Donc je me grouille, à tout à l'heure. Oula, je crois que c'est tout sale. Je vais vous passer un petit coup. Non mais c'est simplement que mon appareil est abîmé. Là je suis en train de sortir Jules. Il doit être 2h, peut-être 2h30, je sais pas. Je suis pas coiffée, je suis pas vraiment habillée, je suis pas maquillée. Je me suis juste mis de l'huile sur le visage parce qu'en ce moment j'ai la peau complètement décapée. Je bois pas assez, je prends pas assez soin de moi, j'ai pas le temps de le faire. Donc du coup ben, ça se ressent. Là petit Jules est en train de faire sa petite promenade. Je le fais maintenant en fait parce qu'après ma maman va partir. Donc eh ben, je préfère le sortir maintenant. J'aime pas le sortir le soir. Et puis le soir il fait froid pour lui. C'est moins agréable aussi.
Donc je le sors plus la journée. Et puis après je finis de ranger la salle de jeu. Les enfants sont en train de finir de ranger leurs jouets. On trie en même temps, j'en profite pour à chaque fois faire un tri de ce qui est cassé, ce qui, voilà, ou ce qui peut être donné. Donc et ben là on est en train de faire un petit peu de tri avec les jouets qu'ils n'utilisent pas. Voilà. Comme on range, on retrouve des merveilles aussi. Voilà, parce qu'ils vont jamais, quand ils rangent, ils vont jamais derrière les certains endroits où ils rangent jamais en fait. Ils vont jamais derrière le meuble où il y a la télé, il y a toujours des jouets qui tombent derrière, en fait ils ne regardent pas. Donc là Lucas était super content parce que je lui ai retrouvé un soldat, je sais pas quoi. Il était super heureux, donc voilà. Donc et ben petit tour pour Jules et puis après ben, c'est reparti pour la maisonnée. Voilà, après on va finir de ranger la maison et ben, maman partira. Après Rémi en rentrant il faut qu'il aille poser aussi des colis. Parce que j'ai deux gros colis à aller mettre à Mondial Relais, mais moi j'y arriverai pas. J'ai pas assez de biscotto. C'est pas possible. Bon, c'est en cours. Ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés dans la couette. Quand j'ai enlevé la couette, faut que j'aille les ranger en haut, tout simplement. Salut. Lily, fais ça, faut le ranger avec tes bébés. Coucou. Coucou Lucas. Donc, Lucas, il est en train de trier les Lego. Ça, c'est à ranger avec ton petit chobello. Faut le ranger correctement. Et tu... par contre, Lily, tu me le ranges correctement. Hein. Tu me le mets pas n'importe où, Lily. Hein. Oui oui. Donc bon c'est pas tout à fait rangé. Là il faut que je passe un coup d'aspirateur, c'est pour ça. Là-bas aussi. Cette boîte il va y avoir les rails et les notices de Lego avec les anciennes plaques de Rémi là-bas. Là bon bah c'est en cours de rangement. On a rangé les DVD. Parce que les enfants ont la fâcheuse manie. Lucas il met les DVD, ils choisissent le DVD qu'ils veulent, on leur met le code et tout. Et en fait, à chaque fois, ils rangent pas les DVD, donc on s'est amusé à trier parce qu'ils n'avaient pas mis les bons DVD dans les bonnes boîtes. Voilà. Donc là, ça c'est le truc que Lily elle a eu à Noël. Deux, trois petits trucs. La maison de poupée, faut que je la range. Ça, c'est des cadres qu'il faut que, faut qu'on se décide en fait pour bah, où je les mets, tout simplement. Mais voilà. Non. Milou. Ah, peut-être. Et voilà, donc ça, bah on va l'enlever tout à l'heure. En plus, je suis dégoûtée, ils m'ont cassé. Alors, Lily me dit que c'est Lucas, et Lucas me dit que c'est Lily, hein, forcément. Bon, déjà, ils m'ont cassé ça, c'était des décos que j'avais acheté à Ziman. Il y avait un petit sapin, en fait, elles étaient super jolies. Bon, bah tant pis, hein. Et donc, ils m'ont cassé ça, qui vient de chez Disney Store. Donc, c'était pas une petite déco, voilà, c'était une déco un petit peu chère, ça allait dans leur sapin. Donc eh ben, on va voir avec Rémi s'il n'y a pas possibilité à tout hasard de le réparer. C'est peut-être dans l'autre sens, je sais pas dans quel sens c'était. C'est comme ça, mais je pense que ça ne recollera plus. Voilà, donc eh ben, Martin, hein, rip Martin, voilà. Martin. Vous savez, je viens de vous parler d'un petit d'une déco de Noël en fait où il y avait un sapin dessus. J'en ai retrouvé un. Attention. Donc ça c'est la tête à coiffer de Lily. Donc tu peux m'expliquer comment le sapin s'est retrouvé là, Lily? Eh ben j'ai rien touché. Ah, il est venu tout seul la nuit comme ça, pouf. Mais non, hein? Je sais pas qui c'est qui l'a mis là, mais parce que là, à part couper les cheveux de la poupée, je ne vois pas comment je vais faire pour l'enlever. Eh ben c'est pas pratique. Ah ben j'aimerais bien l'enlever moi, on va pas lui laisser ça, ça va s'en mêler encore plus et ça va abîmer tous les cheveux. On peut lui couper les cheveux. Ben je crois que je ne vais pas avoir le choix et que cette pauvre barbe poupée va avoir une petite coupe improvisée, pas dans trop dans le bon sens. Mais on peut. T'as jamais coiffé en plus, elle adore coiffer mais sur des vrais cheveux, elle adore me coiffer les cheveux. Non mais on n'y arrivera pas, Bichette. Tu n'y arriveras pas. Il faut un paire de ciseaux. Mais il faut une paire de ciseaux. Non, impossible. Je vais chercher une paire de ciseaux. Non, tu touches pas à la paire de ciseaux, je la ferai moi-même. Ici. Le tranché, on va le donner. Alors c'est fini, le tranché, il faut que je le range. Pas tout à fait, il y a des choses que vous m'avez mis en plein milieu. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est pas moi. Tous les jours. C'est pas moi. Sur la coiffeuse, la console, j'ai ça. Bon, bah il faudra que je nettoie. Je touche pas, je sais pas ce que c'est. Ça gratte. 55, ouais. Je crois que ça vient de ça. Non, je crois pas. Bon, les enfants sont en haut, ils viennent de goûter. Je leur ai fait
C'est un peu comme des crisp rolls là, je crois. Ouais, je crois que c'est ça le nom. Sauf que c'est des trucs chars. Ils sont très bons. Bon, par contre, comme à chaque fois, il y a la moitié dedans qui sont cassés. C'est ça qui est dommage. Mais bon. Ils sont très bons avec du nocciolata. Moi, je m'en suis fait une aussi par gourmandise et je leur ai donné quelques bonbons. Donc là, ils sont en haut. Je leur ai dit, vous ne descendez pas. Je vais faire le sol. Là, j'ai préparé mon attirail. Donc du coup, ça, bon, il est propre. Hein, c'est juste que c'est des trucs achetés. Donc on n'a pas encore fini. Et donc ça, alors ça, c'est super pratique. Vous pouvez le trimballer partout, en fait. Bon, là, par contre, il est super lourd. Donc juste le temps de nettoyer. Pardon, Jules. Là, il est vraiment très lourd. Donc je vais le traîner. Voilà. Et en fait, après, ça s'ouvre. Et vous pouvez... du coup, c'est un tapis de jeu. Ils peuvent jouer avec... La marque, pour ceux que ça intéresse, que je sais qu'on va me demander, c'est ça. Voilà. Je sais pas si celui-ci de modèle exactement, il est encore disponible parce que je l'ai acheté, Lily était toute petite. Franchement, elle avait peut-être 3-4 mois. Voilà, et c'est vraiment très pratique, ça passe nickel à la machine, j'ai déjà lavé plusieurs fois. Il a pas rétréci, ça a pas bougé. C'est tout simple hein, comme truc, mais c'est vachement pratique quoi. C'est vachement pratique. Mon petit Jules, je vais te demander de te pousser mon gros, parce qu'il faut que je fasse le sol. J'ai fait l'aspirateur, mais il faut que je fasse tout le sol là. Ça fait du bien quand c'est rangé. Je sais pas vous, quand c'est à peu près rangé. Pff, je leur ai demandé de ranger là au-dessus là. Ils m'ont tout mis, bon, on va pas chipoter ces 2-3 trucs, mais c'est pas nickel nickel encore. Hein. Mais bon, on va essayer d'épurer comme ça, il y aura moins de soucis pour le... rangement et du coup c'est parti, on va faire le sol. Il est assez tard parce que j'ai passé pas mal de temps à vous répondre sous ma dernière vidéo d'hier. J'ai eu des commentaires assez virulents, je m'y attendais, mais il y a certaines choses qui ont été dites qui sont... Bref, passons. Mais sachez que par rapport à Emrys la carte, je ne vous conseillerai jamais quelque chose en quoi je ne crois pas. Déjà d'une, j'ai tout vérifié, c'est légal, ce n'est pas pyramidal, je me suis mal exprimée hier, peut-être vous n'avez pas compris, après je peux comprendre que c'est compliqué à comprendre, parce que moi je regarde ça depuis plusieurs mois, mais j'ai tout regardé, voilà bref, donc ce n'est pas pyramidal, ce n'est pas une pyramide de Ponzi, c'est tout simplement du MLL, non du MLM, voilà c'est ça. Donc pour vous faire simple, j'ai une coopérative qui est déposée en France. Je vous mets là parce que sinon vous avez le... Comment ça s'appelle ? Vous avez le lustre, donc c'est pas spécialement agréable. Donc c'est une coopérative qui est déposée en France, qui est inscrite à la FNCC, donc c'est la Fédération Nationale des Coopératives, et qui est adhérente à la FVD, la Fédération de la Vente Directe. Voilà, donc c'est légal, ça ne peut pas passer au travers des mailles entre guillemets pour le contrôle. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, qui disent que c'est de l'arnaque ou quoi. Ce n'est pas de l'arnaque, même si vous prenez simplement la carte, la première carte acheteur, la orange, je crois qu'elle est orange, je sais plus. Je crois qu'elle est orange la première carte, je ne l'ai pas sous le nez, mais je crois qu'elle est orange, bref. Vous récupérerez des bons d'achat sur ce que vous achetez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter pour 500 €. Vous achetez ce que vous avez besoin. Si c'est 100 €, c'est 100 €. Si c'est 1000 €, c'est 1000 €. Point barre. Moi, j'ai fait ma première commande en faisant 500 €. Voilà, j'ai reçu mes chèques. Il n'y a pas d'arnaque. C'est valable sur tous les rayons. J'ai pu payer mes courses à Carrefour avec. Voilà. Emrys, ça promet pas de s'enrichir rapidement. Vraiment, c'est de l'autofinancement de vos courses. Grâce à vos courses, en fait, au lieu de payer avec votre carte bleue, vous payez avec des chèques cadeaux. Et en fait, ces chèques cadeaux vous font des... En fait, pour faire simple, enfin, pour rentrer dans les détails, si vous voulez, parce que j'ai eu plusieurs questions et plusieurs personnes ne comprennent pas. Quand vous achetez pour 100 € de chèques cadeaux, qui sont valables partout, même sur l'alimentaire, à Carrefour, à Auchan, à Cora, ça dépend, il faut regarder en fait sur le site Cadoc où est-ce qu'ils sont acceptés. Mais pour 100 € d'achat, vous cumulez, enfin vous avez deux pièces. Et quand vous avez
10 pièces, enfin pas 10, je peux pas faire avec mon autre main, mais 10, 10, quand vous avez 10 pièces, donc l'équivalent de, enfin c'est pas l'équivalent, donc 500 euros, vous avez tout simplement un lot de pièces qui se crée et ça vous génère une cagnotte. Et cette cagnotte, en fait, une fois qu'elle sera remplie, vous aurez 15 euros. Voilà, après, quand vous avez fini cette cagnotte, vous avez vos 15 euros. Et cette cagnotte vous fait une liasse de billets. Cette liasse de billets, une fois qu'elle va faire une autre cagnotte, une fois que cette cagnotte sera remplie, ça vous fera 75 et ainsi de suite. Et en fait, vous avez toutes vos cagnottes. Donc en fait, à chaque fois que vous recommandez pour 500 euros ou que vous consommez en fait pour 500 euros de chèque Cadoc, vous refaites une cagnotte. Automatiquement. Alors après, si vous consommez 100 euros, ben, vous mettrez 5 mois pour faire votre cagnotte. Si vous consommez 1000 euros, vous ferez 2 cagnottes par mois. Voilà, et en fait, toutes les cagnottes vont vous permettre de cumuler à chaque fois des bons d'achat. Il n'y a pas d'arnaque. Comme le disait Thierry qui est venu commenter sous ma vidéo, c'est une association et c'est pas une coopérative comme voilà, l'erreur est humaine, je me suis trompée sur ce point là. Et en fait a décidé de reverser le plus possible à ses membres. Donc en fait c'est pas un système pyramidal parce qu'un système pyramidal ça prend de l'argent des uns pour payer les autres. Là c'est pas le cas, c'est totalement interdit, on est bien d'accord, et là c'est pas le cas, c'est comme... c'est comme une grosse carte de fidélité multi-enseigne en fait, c'est ça. À Carrefour, vous pouvez très bien, dans n'importe quelle enseigne, vous pouvez prendre une carte bleue que vous allez payer à l'année, qui va vous permettre de générer, je sais plus combien c'est, mais 5%. Il y avait un truc, je me rappelle plus, parce que ma mère, elle avait les cartes passe à Carrefour. Mais il y a certaines cartes qui vont vous permettre des cartes Carrefour, cartes bancaires Carrefour, que vous allez payer donc, qui vont vous permettre d'avoir de cumuler des euros. Et bien là, c'est pareil en fait, c'est exactement la même chose, sauf que ça fonctionne dans toutes les enseignes et que ça vous rapporte plus. C'est tout, c'est voilà, il n'y a pas d'argent qui circule, vous faites vos courses et puis c'est tout, voilà, c'est pas plus compliqué en fait, voilà. Donc après, je peux comprendre que vous soyez sceptique, mais les personnes qui viennent et qui me disent c'est une arnaque, c'est un partenariat que t'as fait, j'ai payé ma carte, c'est pas une arnaque. Les personnes que j'ai déçues, bah, je suis désolée de vous décevoir, mais je vous déçois sur un truc qui n'est pas une arnaque en fait, voilà. On peut même, si on le décide, pour rentrer plus dans les détails, parrainer certaines associations qui pourront du coup, avec les achats que vous ferez, Emrys a décidé en fait, dans les achats que vous faites, vous pouvez sélectionner une association dans, voilà. Et en fait quand vous sélectionnez l'association, vous leur reversez, Emrys s'engage à leur reverser 8% de... Si vous avez commandé 500 euros par exemple, Emrys va reverser 8% de 500 euros à l'association en question. Et dans les associations, entre autres, nous avons Poi Family. Voilà, lueur d'espoir pour Eden. Donc, si c'était si illégal que ça, je ne pense pas que Morgan aurait adhéré à ce système-là. Voilà. Donc après, je ne vais pas en parler plus longtemps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Mais c'est pas une pyramide de Ponzi, c'est pas du pyramidal, c'est voilà, c'est légal. C'est pas plus compliqué, c'est légal. Voilà, donc après vous y croyez pas, voilà, moi je vois juste que je suis sur certains groupes, ça fonctionne. Voilà, donc après en mars en plus ça va changer, les cagnottes se feront encore plus rapidement, il y aura plus de paliers, donc ça ira encore plus vite, mais comme le disait... Ah là c'est ça, Wilfried a travaillé sur ça, donc les 6 ans pour les autofinancements c'était au début quand ça a été, quand ça a commencé, et du coup Wilfried a changé la donne et à partir du 30 mars les acheteurs commenceront à percevoir du crédit d'achat dans un délai de 3 à 5 mois en fonction de vos commandes en fait, donc vous prenez pas trop de risques entre guillemets. Voilà, sur ce je vous laisse, la journée a été longue, la journée a été fatigante, j'ai pas fini ma journée là, je dois encore monter mon vlog, j'ai pas encore mangé, il est 10h15. Donc sur ce, je vous laisse.